Et la voilà, la vieille dame qui tend les bras à Steve Mandanda d'un côté et Thiago Silva de l'autre, les deux capitaines de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Match, vous l'avez dit Manu, du géant suédois Zlatan Ibrahimovic qui va quitter Paris mais pas la France hein, puisque dans quelques semaines il sera avec sa sélection du côté de Pornichet pour évidemment participer à l'Euro de foot qui va démarrer dans une vingtaine de jours. Marseillaise jouée évidemment par la garde républicaine et entonnée par les supporters parisiens et marseillais, stade évidemment Stade de France à guichet fermé pour ce classique du football français. Quelle ambiance Kader, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une ambiance pareille au Stade de France. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs évidemment, avec la Marseillaise en plus effectivement. Et Lassana Diarra qui joue lui aussi peut-être ses dernières minutes avec le maillot olympien annoncé, vous le savez, aussi du côté du Paris Saint-Germain, tout comme Steve Mandanda, pas du côté de Paris, mais il aimerait bien tenter enfin une première aventure à l'étranger. Mandanda qui a été le rempart, quelque part le sauveur de l'Olympique de Marseille cette saison, avec Lassana Diarra, avec Michy Batshuayi et ses 17 buts en Ligue 1 également. Marseille a sauvé les meubles, notamment grâce à ses trois grands bonhommes. Oui, une petite pensée également hein, pour Franck Passy, hein, l'entraîneur qui a pris la succession de Michel depuis son renvoi. Donc lui aussi hein, joue gros sur ce match-là, parce qu'en cas de victoire, en plus du trophée et la qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine, ça pourrait donner justement des idées à la direction de l'Olympique de Marseille. Ouais, postuler naturellement pour un rôle de numéro 1 qu'il remplit pour l'instant à merveille, puisque l'Olympique de Marseille a été maintenu dans l'élite évidemment, 13e. Tiens, on va regarder la composition que va nous présenter Fred Godard à la réalisation évidemment. Commencer par cette équipe de Marseille avec ce nouveau schéma hein, depuis ouais, en tout cas la nomination de Franck Passy. Ça fait longtemps qu'on attendait justement le duo, hein, le bilan Fletcher Batshuayi, donc c'est du classique hein, globalement. Mandanda avec Manquillo, Nkoulou, Rekik, Mendy. Certains joueurs ont gros à jouer hein, sur ce match-là. C'est vrai qu'on avait surprise, c'est Barada quand même. Ouais, on a une hésitation avec Alessandrini qui s'est entraîné, alors pas à part, mais il a rejoint l'entraînement collectif un petit peu plus tard dans la semaine. Une petite douleur. Et hein, Florent Thauvin justement qui est décisif ces derniers temps également avec Batshuayi. Donc c'est un 4-4-2 et donc je pense que c'est plus équilibré comme ça. Les joueurs savent mieux ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Et d'ailleurs, Batshuayi se retrouve beaucoup moins isolé voilà, sur la pointe de l'attaque. Oui, et puis servi par Stephen Fletcher, l'Écossais. La composition de Laurent Blanc.
pour le Paris Saint-Germain avec la surprise, hein, c'est l'absence évidemment de Thiago Motta, Rodolphe Godin nous en parlait tout à l'heure, et également l'absence de Javier Pastore. Javier Pastore, exactement, donc il a dû quelque part schématiser en fait son milieu avec Stambouli, Matuidi, Rabiot. Et devant, on a toujours les mêmes joueurs, hein, Cavani, Ibrahimovic et Di Maria, avec une défense où on a aussi David Luiz qui se retrouve sur le banc de touche. Donc Marquinhos qui le remplace dans la défense centrale aux côtés de Thiago Silva. Ça aussi, petite surprise, hein, parce que pendant tellement de temps, Marquinhos cirait le banc au profit justement de David Luiz. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Est-ce que c'est pas un signe justement qu'on envoie aux défenseurs brésiliens? Surtout dans une finale, les entraîneurs mettent toujours la meilleure équipe possible avec les joueurs disponibles. Donc là, le fait qu'il soit sur un banc de touche, alors qu'à chaque fois, il y a eu toujours des polémiques entourant justement la titularisation soit de Marquinhos ou de David Luiz. Là, on se rend compte justement qu'il a tranché Laurent Blanc. Donc ça peut être un signe, effectivement. Et, le corps arbitral qui sera emmené par Clément Turpin au centre. 33 ans, le plus jeune sélectionné pour l'Euro 2016. Il avait d'ailleurs arbitré la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Lille. Lille l'avait remporté 1-0. C'était le fameux doublé d'ailleurs pour l'équipe de Rudy Garcia. Il y a beaucoup d'ingrédients dans cette finale. Quand je vois la composition des Parisiens, je pense notamment à un garçon comme Aurier qui a été sublime ces dernières années. Depuis l'affaire que l'on connaît, était en train de rechercher son meilleur niveau. Donc sur cette finale, il va jouer gros également. Donc Ibrahimovic qui son dernier match, des joueurs qui sont peut-être moins utilisés comme Stambouli. L'émotion sera peut-être pas plus grande justement lors de ce genre de match. Côté de l'Olympique de Marseille, c'est pareil, il y a beaucoup de joueurs, on ne sait pas vers quelle direction ils vont se diriger. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingrédients qui font que cette finale est quand même relativement électrique. Allez, Thiago Silva qui ne traversera pas d'Atlantique, en tout cas pour les vacances et pas pour la Copa América ou pour Jeux Olympiques, encore une fois blacklisté par Dunga. Ni lui, ni David Luiz, seul Marquinhos a été retenu par Dunga. Mais Kader, vous me tendez la perche, mais la liste de Didier Deschamps où il y a eu des polémiques entourant certains choix, il faut la comprendre, il faut se ranger justement du côté du sélectionneur et de son staff, parce que Didier Deschamps n'est pas le seul sélectionneur aujourd'hui à avoir écarté des joueurs dont ce sont des surprises, leur absence justement pendant l'Euro. Il y a beaucoup de sélections aujourd'hui qui se sont passées de joueurs importants, donc il faut comprendre que c'est l'entraîneur connaît beaucoup mieux que nous leurs joueurs en permanence, et ils rendent la confiance justement du sélectionneur. Ah, la belle photo de famille, marseillais, parisien et les arbitres. Alors que vous avez vu Laurent Blanc et Franck Passy, c'est pas la poignée de main, c'est l'étreinte. Laurent Blanc disait hier en conférence de presse, ce n'est pas qu'un ami, c'est un frère, ils se connaissent depuis le centre de formation. Exact. Du côté de la Paillade de Montpellier à l'époque. Et évidemment, on l'a dit, hein, Salvatore Sirigu qui est titulaire. Lui aussi en partance. En Coupe de la Ligue et en Coupe de France, ouais, qui va sans doute quitter le Paris Saint-Germain. Annoncé du côté de l'Italie et de la Fiorentina. Et sur le banc, ce n'est pas Kevin Trapp, c'est Nicolas Douchez qui est le numéro 2 ce soir. Maxwell, c'est pareil, on ne sait pas s'il va continuer au Paris Saint-Germain. Donc il y a une bonne brochette de joueurs actuellement sur la pelouse. On ne sait pas s'ils vont continuer. Certains, on le sait, hein, c'est sûr, c'est une certitude, mais d'autres, on ne sait pas. Et des deux côtés, en tout cas, affiche de rêve pour ce classique à l'occasion de cette finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille. Maillot blanc, évidemment. Et un premier ballon de Benjamin Mendy à destination de Batshuayi. Intervention autoritaire de Thiago Silva. Il a coupé la trajectoire, il a devancé Batshuayi. Et là, Sana Diarra. Avec Mauricio Isla, Florian Thauvin. Mais il a raison. Et il a dû s'employer, Salvatore Sirigu, battu sur cette frappe qui n'était pas cadrée. Hein. Mais il a raison, Barada, parce que les milieux défensifs parisiens sont très très loin de lui. Il a un petit peu hésité, hein, sur son contrôle. Il aurait même pu s'avancer encore 2-3 mètres, mais cette frappe était vraiment belle, limpide, n'était pas suffisamment cadrée. Mais heureusement d'ailleurs pour ses goûts, parce que je pense qu'il était très loin du ballon. Et il a osé et il a bien fait.
Ouais, bon jaillissement de Diarra. Allez, Rabiot, ballon conservé par le milieu parisien et très bien conservé. Supplé par Marquinhos. Pressingo, un pressingo des Marseillais. Allez, c'est la recette. Hein. Et attention évidemment au course. La course. Le duel entre Ibrahimovic s'en est sorti, hein, le Suédois. Blaise Matuidi, la frappe de Blaise Matuidi captée par Steve Mandanda. Il est là. Le c'est vrai que le danger est aussi là de presser haut cette équipe parisienne, mais dans le dos, ça part très vite à l'image de cette action emmenée par Zlatan Ibrahimovic. Oui, il a bien résisté au retour des défenseurs centraux, hein, et d'ailleurs il a un peu tergiversé pour attendre l'arrivée de Matuidi. Angel Di Maria face à Rekic. Attention à l'ouverture du score de Blaise Matuidi au bout de 2 minutes de jeu. Deuxième occasion et un but pour le Paris Saint-Germain. Alors faudrait qu'on nous dise pourquoi Isla se retrouve en défense centrale sur ce centre alors que cueillie à froid la défense marseillaise. Alors que tactiquement il n'y a pas eu de danger, hein, sur l'action précédente. Le bloc tactique était bien organisé. On l'envoie Isla. Il est tout seul Blaise Matuidi. Rekic, et on voit Rekic complètement en pose arrière gauche qui quitte complètement sa défense pour venir presser justement Di Maria. Donc il laisse complètement la défense centrale isolée. Et Isla qui tarde à revenir justement dans sa position est devancé par Matuidi. Ah, il est tout seul Blaise Matuidi du plat du pied pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Quelle entame de match des Parisiens, moins de 3 minutes. Quelle offrande de Di Maria quand même, hein. Petit extérieur du pied gauche. Ah, également de la défense marseillaise, hein, il faut le dire. Mais là j'ai pas bien saisi pourquoi Rekic était complètement... Il a dézoné en fait, il s'est mis en position derrière gauche. Avec Fletcher et l'intervention de Marquinhos devant l'Écossais, pardon Manu. Ça revient avec Thauvin. Ah, ça va être compliqué pour Batshuayi. Ballon récupéré et dégagé comme il peut par Aurier. Capté par Angel Di Maria. Et à la bonne défense de Mandy. Estambouli avec Di Maria. Ah, il y a des solutions dans l'axe avec Blaise Matuidi. Ibrahimovic, la déviation pour Maxwell. Oh, ça va être compliqué de se remettre tout de suite dans le bain. Ouais, Manu, j'imagine quand on encaisse un but aussi vite. Aussi rapidement, il y avait déjà eu une petite alerte précédemment, mais c'est vrai que les Parisiens, à chaque fois qu'ils mènent au score, c'est très compliqué de les rattraper. C'est ce que disait d'ailleurs Jean-Pierre Papin tout à l'heure, hein, en préambule du match. Il a dit j'aimerais bien voir les Parisiens être menés au moins une fois au score durant cette saison. Oh, Cavani encore la déviation, il y a du monde, il y a Rabiot. Et mauvais ballon cette fois-ci de Maxwell directement pour Steve Mandanda. Allez, grosse mésentente en tout cas dans la défense marseillaise. Oui, bien joué. Allez, il a gagné son duel Fletcher. Allez, il va le perdre ce ballon. Trop, il va le perdre. Ballon récupéré par Marquinhos pour Adrien Rabiot. L'appel d'Ibrahimovic. Et il est passé devant le coulou. Il va falloir accélérer le défenseur central marseillais. Un Manquillo qui est venu au soutien. La frappe, elle est contrée. Elle est récupérée par Rekic. Avec Abdelaziz Barada. Ah, mauvais ballon. Mauvais ballon. Ah, Estambouli qui s'en sort très bien pour la conservation parisienne. Et forcément, on a bien reculé du côté de Marseille. Le plan de jeu a été mis à mal assez vite par ce but parisien. Parada face à Aurier. Ouais, compliqué, fort, ouais, compliqué ce ballon. Va sortir. Florian Thauvin. Ah, ce but, messieurs, n'a pas fait qu'assommer les joueurs, hein, marseillais sur le banc aussi, avec Basile Boli et tout le staff qui était chaud bouillant lors du début de match. Et là, ils sont restés prostrés par cette ouverture du score. Et beaucoup, beaucoup de tension du côté marseillais, notamment Basile Boli qui a du mal à ne serait-ce qu'à sourire. Il a le visage extrêmement fermé, comme s'il était sur le terrain, Basile. Bah, ça se comprend, hein, et surtout quand on repense au but, on se dit que si vous laissez un mètre d'espace justement aux Parisiens pour pouvoir jouer leur propre football avec le talent qu'ils ont d'un point de vue technique, c'est extrêmement facile. On a vu qu'à chaque fois que les Parisiens étaient en grande difficulté contre des équipes, c'est quand on leur laissait jamais de répit, jamais la possibilité de pouvoir parler leur football. Et un coup pour récupérer ce ballon avec Javier Manquillo. Avec Florian Thauvin. La
Hassana Diarra. Fletcher. Et le jaillissement de Marquinhos. Ballon parisien avec Angel Di Maria. Et ballon sauvé par Mendy, récupéré par les Marseillais avec Hassana Diarra. Isla. Va chercher Batshuayi. Ah, il est passé tout près de ce ballon, hein, Steven Fletcher. Et on va vous faire jouer. Hein. Je vous offre une nouvelle chance de gagner les 10 000 euros mis en jeu. Vous répondez à cette question. Lequel de ces deux clubs a gagné le plus de Coupe de France? L'OM, réponse 1. Le PSG, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34-35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-30-03. Attention, vous n'avez que 5 minutes hein, pour jouer. Gagnant les 10 000 euros, tiré au sort à la fin du match. Le jeu à terre, oui. Allez, si, allez, Clément Turpin, Marseille, on va se jouer vite, on va revenir à la faute d'Ibrahimovic. Manquillo avec Nkoulou. Karim Rekik. Mendy pour Fletcher en première intention. Et la moitié de Mendy. Il y a du maillot blanc. Il y a notamment Parada renvoyé par Thiago Silva. Et ce sera un corner. Le premier corner de cette rencontre. Voilà l'intervention de Thiago Silva au premier poteau qui vient couper cette trajectoire du centre. Allez, c'est ce qu'aurait dû faire Rekik tout à l'heure. Une touche évidemment. Le ballon, je le voyais en corner. C'est sorti en touche. Mendy renvoyé par Marquinhos sur Hassana Diarra. Oh, attention hein, parce que là le contre ouais, il y a du monde hein. Allez, Mendy à nouveau. Marquinhos pour dégager ce ballon sur Angel Di Maria. Ibrahimovic. Alors, est-ce qu'il était sorti ce ballon? Il était sorti. Moi je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais je serais pour envoyer les cassettes des matchs de Thiago Silva à Dunga parce que continuer à ne pas le sélectionner. D'ailleurs, il faut savoir qu'il le vit extrêmement mal, lui, qui est né à Rio. Il rêvait de faire ses Jeux Olympiques chez lui. Il nous l'a confié plusieurs fois. Et capitaine de la Seleção, évidemment. Ah, il va être compliqué ce ballon hein, pour Michy Batshuayi et Aurier qui s'interpose et concède la touche. Ah, et puis à la Copa América aux États-Unis au mois de juin également. Deux Brésiliens évoluant en France seulement, Marquinhos, je vous le disais, Fabinho, hein, le monégasque. Pas de Lucas non plus. Alors que du côté de l'Argentine, évidemment, il y aura bien Javier Pastore. Et Matuidi est parti servir Cavani et également Angel Di Maria. Allez, ballon récupéré par les Marseillais, Mauricio Isla. Ah, il faut bien la jouer celle-ci, la montée de Florian Thauvin face à Maxwell. Il avait encore la solution, il y a Barada, Fletcher. Faute de Fletcher sur Serge Aurier. Ouais, je pensais que Thauvin, en fixant justement arrière, je pensais qu'il allait revenir, s'ouvrir l'angle du but sur son pied gauche. Allez, Barada qui était deuxième poteau. Ouais, absolument pas de faute, ballon récupéré à la régulière par Mauricio Isla. Qui s'imposait, Florian Thauvin à la récupération avec Manquillo. Nkoulou. Diarra avec son défenseur central. Ouais, gêné par le pressing de Rabiot et d'Ibrahimovic. Batshuayi peut-être, hein, et c'est encore Marquinhos qui s'est imposé. Barada. Diarra. Barada avec Benjamin Mendy. Ouais, voici côté gauche. Ouais, ils sont bien positionnés tactiquement hein, les Parisiens. Est-ce peu d'espace aux Marseillais pour pouvoir jouer entre les lignes notamment. Ouais, c'est ce qu'essaye de faire, de passer le premier rideau voilà, que représente Rabiot, Hassana Diarra.
et on attend que ça décroche. Voilà qui est fait par Steven Fletcher. Isla avec Thauvin. Et la frappe de Thauvin, oui, il est dedans. On croyait au petit filet et c'est encore lui, Florian Thauvin, le sauveur de l'Olympique de Marseille en demi-finale face à Sochaux. C'est lui qui remet l'OM dans cette finale de Coupe de France avec cette superbe frappe ras de terre. Ah, on la voyait pas, Manu, c'est tout à fait honnête. Bah si, moi je pense qu'il a, lui il la voyait avant même de recevoir le ballon, il savait déjà son positionnement par rapport au but. Et je pense qu'il avait pris l'information, son positionnement, ce Sirigu. Et tout à l'heure, on se posait la question pourquoi il n'était pas revenu sur son pied gauche pour frapper et l'enrouler. Là, il ne s'est pas posé de question, il savait déjà avant de recevoir le ballon ce qu'il allait faire. Avec, il a pris de vitesse le défenseur. Avec la réussite. Elle est contrée. Elle est légèrement contrée. Elle va se loger au ras du poteau, hors de portée du gardien. Elle prenait la direction du poteau gauche de Salvatore et Sirigu. 12e minute, égalisation de l'Olympique de Marseille, signé Florian Thauvin. La réaction était très intéressante parce que ça permet de ne pas douter trop longtemps non plus, d'installer durablement justement les Parisiens dans cette finale. Et ils vont pouvoir revenir avec leur projet de jeu, de gêner les premières relances parisiennes. L'œil noir de Lévin Kurzawa. Superbe réaction, cet exploit individuel de Thauvin. Il avait arraché un précieux match nul au Vélodrome face à Nantes. C'est lui qui avait égalisé. Et c'est lui, quelques jours après, qui avait permis à Marseille. Attention, oh là 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 là. Cette tête en retrait de Manquillo pour Steve Mandanda. Et il s'est couché, hein, Mandanda. Surtout que la pelouse a été arrosée, hein, donc au rebond, ça fuse. Heureusement qu'il est vigilant, hein, le gardien marseillais. Avec Pachuayi. Il veille au grain toujours, hein, Thiago Silva. Ah, l'accélération de Thiago Silva, faute évidemment. Faute du Belge, Michy Pachuayi, sur le défenseur central parisien. Et c'est bien pour Ferran Thauvin, ça va lui redonner de la confiance. Parce que depuis son retour à Marseille, il a été très critiqué, à juste titre, hein, très souvent. Et c'est vrai que ces derniers matchs, il a été souvent décisif. Mentalement, il est en train de franchir un palier. Je sais que c'est difficile, hein, cette saison à l'Olympique de Marseille. Pour des joueurs comme lui, hein, qui avait vécu aussi un traumatisme à Newcastle. Ah, Newcastle relégué d'ailleurs. Il est revenu au bout de 6 mois en forme de prêt. Il ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir, l'avenir de Florian Thauvin. Qui en tout cas est le bonhomme de cette fin de saison marseillaise. Avec notamment bien sûr ce but inscrit à la 12e minute. Après l'ouverture du score de Blaise Matuidi. Et ça forcément ça doit faire du bien, hein, Manu. De ne pas douter trop longtemps. Ne pas être mené au score trop longtemps. Un quart d'heure de jeu, hein, si vous nous rejoignez, déjà un but partout entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et Batshuayi, la remise, ballon récupéré par Stambouli. Isla qui permet à Thauvin d'avoir ce ballon, l'appel de Fletcher. Ah, c'était bien vu, hein, cet extérieur du pied gauche, hein, pour Fletcher. Au combat en perspective entre Nicolas Nkoulou et Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, il ne faut surtout pas le laisser retourner avec le ballon. C'est là où il est vraiment fort, c'est quand il est face au but, il peut prendre l'information, le déplacement de ses coéquipiers notamment. Et Marquinhos, Stambouli. Bloc quand même assez compact là du côté marseillais, assez haut également. On refuse de subir. Un peu le projet de jeu qu'ils ont eu lors des deux premières minutes malheureusement pour eux. Et on peut à nouveau essayer de monter un petit peu haut et de gêner la relance parisienne. Même si là, il y a un petit boulevard là pour le centre de Serge Aurier et il y a Ibrahimovic. Oh la faute, le carton. Oh le petit carton. Absolument pas signalé par Clément Turpin. Il avait pris de vitesse Karim Rekic, le voilà passé. Ah, il y a faute quand même. Évidemment, Manu, la voici. Il ne joue plus du tout le ballon, le défenseur central néerlandais. Ah, déviation de Fletcher qui s'impose, remporte quelques duels dans les airs.
En fait, quand le ballon arrive sur le côté droit, Di Maria intelligemment rentre toujours vers l'intérieur, ce qui embarque à chaque fois Mendy, ce qui oblige Rekic à venir couvrir ce qui s'est passé lors du premier but. Il dézone et après ça crée des espaces pour les joueurs parisiens. Il faut que Mendy arrête de suivre justement Di Maria et qu'il le laisse au milieu défensif, qu'il reste positionné dans son couloir. Allez, voilà, Angel Di Maria en appui avec Rabiot, ballon récupéré par les Marseillais, Rekic qui s'est jeté. Un ballon contrôlé de la main par Adrien Rabiot. Ah, effectivement, une petite erreur d'ajustement entre Rekic et Mendy tout à l'heure. Et Rekic avec Isla. Rekic face à Di Maria avec Mendy. Ah, c'est bien joué ça pour Barada, l'intervention, bonne intervention de Benjamin Stambouli. Ah oui, ça parle beaucoup, ça s'agite beaucoup, beaucoup du côté du banc de Laurent Blanc et de Franck Passy forcément. Oui, bien joué cette balle en profondeur. Ah, et Thauvin face à Silva, frappe qui peut contrer une nouvelle fois et capter sans souci par Salvatore et Sirigu. Il s'est précipité sur cette action, il n'y avait personne à la réception de ce centre. En tout cas, il y a du rythme forcément. Allez, Stambouli. Avec Maxwell sur le côté gauche. Rabiot. Allez, ballon contré à récupérer par Thauvin. Allez, bon retour de l'Uruguayen Edinson Cavani. Il fasse attention les Parisiens quand même parce qu'ils ont un rythme relativement lent dans la transmission de passe. Et comme le bloc est très compact, notamment au milieu de terrain, il y a un pressing constant maintenant sur le porteur du ballon et celui qui va réceptionner la balle. Il faudrait qu'il joue davantage, hausse le rythme justement dans les transmissions. Et Rekic vigilant, le ballon pour Ibrahimovic. La remise instantanée pour Blaise Matuidi. Corner. Non, elle n'a pas été touchée selon Clément Turpin. Il me semble qu'elle est contrée. Hein. Une drôle de trajectoire en tout cas. Sollicité sur son jeu au pied Mandanda. Là aussi du côté de Paris, on presse haut pour gêner ses premières relances. Ah, il n'a pas vu la main. Ce sera une touche pour les Marseillais finalement. Ils s'en sortent bien. Petite main de Marquinhos. Ah, superbe image. Batshuayi, la remise pour Fletcher, le crochet, ça va revenir pour Florian Thauvin. Il y avait Vidé. Il fallait la frapper en première intention, même si elle n'est pas cadrée. Il y avait Vidé, mais il n'y a pas suffisamment mis de puissance pour donner de la direction au ballon. Il a un peu plus subi. Alors, on revoit les buts. Ouais. Un superbe extérieur du pied gauche, c'est un régal cette passe de Di Maria. Et la finition est impeccable, une touche de balle plat du pied. Et là, cette frappe aussi, légèrement déviée de Florent Thauvin. Allez, 20 minutes de jeu. Un but partout. Koulou avec Diarra. Barada. Avec Isla. La Sanadira sur le côté gauche vers Mendy. Ah, c'est bien joué avec Fletcher. À nouveau Mendy. Ouais, c'est assez. Et pourtant, l'arbitre assistant n'avait rien signalé. Il était aligné sur la ligne. Regardez, on le voit là-bas. Là, c'est compliqué avec les poteaux, avec en plus un double arbitre assistant devant. Quand même dehors, et c'est vrai que. Étant placé derrière l'arbitre de surface de réparation sur la ligne. C'est un petit peu compliqué aussi pour lui de le voir. En tout cas, ça va donner cette fois-ci un corner. Le premier
Corner en faveur de l'Olympique de Marseille, premier corner du match. Frappe au deuxième poteau, quand même. Devant qui ne va pas empêcher Sylvain de sortir. Signalé dans la surface de réparation par Clément Turpin. Très mal négocié en tout cas ce premier corner pour les Marseillais. Pour chercher Ibrahimovic. Et c'est l'équipe qui s'imposait, mais le ballon est toujours Cavani qui cherchait Di Maria. Ouais, qui cherche toujours sa position dans le match. Cavani, on l'a toujours pas vu depuis le début de la rencontre. Et Ibra, messieurs, je peux vous le dire, commence sérieusement à s'agacer de ne pas avoir beaucoup de ballons. Il redescend de plus en plus bas. Mais à ses petits gestes de la main, on sent bien que c'est pas un début de match qui lui convient. Thiago Silva. Aurier. Non mais les deux points de Batshuayi et Fletcher empêchent justement, c'est le rôle qu'avait Verratti en permanence. Ils empêchent à chaque fois de pouvoir trouver la solution au milieu de terrain pour après écarter sur les côtés. Donc ça les oblige à chaque fois à sortir souvent sur les côtés des Parisiens. L'image de Marquinhos là, qui va lancer Maxwell. Face à Javier Manquillo. Allez, bon retour de Mauricio Isla. Fletcher. Oui, bien joué, c'est Fletcher. Bien joué ce ballon de Fletcher. Pas de compliqué avec le retour de Rabiot. Allez, touche qui sera pour Javier Manquillo, l'Espagnol. Pas de solution pour Serge Aurier, obligé de revenir vers Thiago Silva. Thiago Silva et Marquinhos qui ont inversé leur position dans l'axe parisien. Marquinhos qui est passé côté gauche. Oui, bien joué. Faute signalée contre Mandy, contre Diarra, pardon. Sur Blaise Matuidi. Oui, gentil l'arbitre sur cette petite faute de Diarra sur Matuidi. Ibrahimovic qui a décroché, comme disait Rodolphe. Avec Di Maria à nouveau pour le Suédois. Il va chercher Cavani et il va trouver Rekic. Bonne remise de la poitrine de Nkoulou vers Step Mandanda. Ouais, il lui a pas montré l'information à Cavani. Regarde, on le voit, il fait même pas attention à Ibrahimovic lorsqu'au moment où il lui donne la balle. Que les Marseillais qui sont revenus en ayant égalisé évidemment. C'est un schéma tactique qui gêne les Parisiens pour l'instant. Si évidemment face à Paris la moindre erreur peut coûter très cher. Oui, il est souvent exploité. Et Barada qui a un petit peu de champ libre. Allez, l'appel de Fletcher est un peu forte. Et il va pas la prendre. Chercher la remise pour Batshuayi. Il y avait de l'idée en tout cas dans ce mouvement parisien. Le manque de justesse technique dans cette dernière transmission. 26e minute de jeu entamée, un but partout entre Paris et Marseille. Ouverture du score à la 2e minute de Blaise Matuidi. Égalisation à la 12e de Florian Thauvin. Ils sont bien revenus dans le match les Marseillais. Ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus près du porteur du ballon. Et surtout ils font le pressing coordonné, c'est cohérent, c'est collectif. Bon,
Kibra en revienne justement quasiment à sa propre hauteur de ses défenseurs, c'est qu'il y a un problème dans la construction du jeu parisien. Et le milieu de terrain qui a du mal pour l'instant, hein, le terrain parisien, à passer ses lignes marseillaises justement. Et Matuidi, et ça va revenir. Di Maria, Serge Aurier, appel de Matuidi. Ah, le problème c'est qu'Ibra il est toujours collé là-bas au côté gauche au milieu du milieu de terrain, il n'a pas suivi l'action. Petite faute, ouais. Récupère le ballon, l'avantage de la touche. Oui, bien joué, Rekic. Très bonne défense de Rekic pour laisser filer ce ballon en sortie de but. Petite mésentente entre Serge Aurier et Edinson Cavani. Elle sera pour Paris, cette touche. Pas jusqu'à Serge Aurier côté droit. Pas beaucoup de mouvement, hein, entendu porteur du ballon parisien. C'est un peu trop statique à mon goût. Ah, Maxwell avec Stambouli là, qui avait pris l'espace. Ah, c'est bien joué là. Encore écarté côté droit vers Serge Aurier. Il y a personne. Et ça plonge pas beaucoup côté parisien. Ibrahimovic qui demande le ballon. Et renvoyé de la tête par la Sanadiara. D'ailleurs, qui est en train de lui faire une remontrance. Hein. Ibra envers Aurier. Là, il le voulait dans les pieds. Cavani avec Thiago Silva. Ah, ça parle beaucoup hein, entre Thiago Silva et le milieu de terrain, notamment Stambouli ou Rabiot. Sans que ça tourne pas, ça ne tourne pas parfaitement dans ce milieu de terrain parisien pour l'instant. C'est clair, même si ils ont eu plus de temps de jeu, notamment Rabiot hein, qui a eu énormément de temps de jeu cette saison. Ou Benjamin Stambouli est aligné régulièrement hein, en Coupe de France. Mais c'est clair que c'est pas du tout le même fond de jeu hein, que lorsqu'il y a Verratti et Mota. C'est l'ADN justement du jeu pratiqué et prodigué par Laurent Blanc. Ah, et puis, le positionnement du bloc marseillais les gêne aussi. Allez, premier coup franc intéressant à défaut de corner pour les Parisiens. Frappé par la patte gauche d'Angel Di Maria. Deuxième poteau renvoyé par Fletcher, heureusement, puisqu'il y avait Ibrahimovic derrière. Ballon récupéré grâce à Blaise Matuidi. Ah, c'est bien fait de la part d'Ibrahimovic. Et la bonne défense de l'Écossais. Allez, ce sera une sortie de but. Un effet rétro, à un moment elle rebondit. Ah, il est partout, hein, Blaise Matuidi. Ça bouge pas beaucoup, mais lui continue de bouger. Ah là voilà. Il a tenté un geste. Et on est à la demi-heure de jeu. Un but partout toujours entre l'OM et le PSG. Il y a froid, les Marseillais sont parfaitement revenus dans cette finale. Oh, le coup de coude. Ouais, coup de, sur Marquinhos de Michy Batshuayi. Je pense que c'est involontaire, quoi qu'il a. Ouais, il avait bien pris l'information de la position de Marquinhos. Là, c'est un... Il s'en sort bien quand même, Batshuayi sur cette action-là. Il aurait pu prendre au minimum un carton jaune. Ouais, je pense qu'il n'aura pas droit à une seconde erreur de ce type, l'attaquant belge. Et on a du mal, on a du mal à jouer court ce ballon, voilà qui est fait avec Matuidi.
ça ne croit rien. Et ballon récupéré. Ah, il a glissé, battu. C'est repris pour servir à Barada. Mauricio Isla. Père Fletcher. Ah, combatif, hein, en tout cas l'Écossais, traité par Sunderland cet hiver. Et il a eu la bonne idée de les aligner, hein. Franck Passy, tous les deux, Batshuayi et Fletcher. Ah, le centre de Thauvin. Et il a touché du bout du pied ce ballon, Steven Fletcher. Et a dévancé, c'était Thiago Silva, hein, sur cette action. Bon centre, hein, de Thauvin. Contre plongeant, rentrant. Vigilant, Salvatore Sirigu. Il a de l'espace, hein. Il peut prendre le couloir, Aurier. Rabiot, il est bien isolé aussi. Du coup. Voilà, il est bien repris. Aurier devant Mendy. Il y a carton directement sorti par Clément Turpin. Pris de vitesse, il a pris les jambes et pas le ballon. Hein. Premier avertissement. Toute la puissance d'Aurier sur cette action qui fait la différence. Et le bon coup franc pour le pied gauche d'Angel Di Maria, rentrant forcément. Et Barada est au vent, deux joueurs marseillais dans le mur. Et c'est renvoyé à Kenfou. Il y a beaucoup de joueurs qui sont restés au sol. Patchouli qui est au sol, le ballon est toujours en jeu pour Rabiot. Et il faut le dégager. Cavani pour contrer la frappe de l'Uruguayen. Et ça va donner un corner pour les Parisiens. C'est un énorme cafouillage dans la surface de réparation marseillaise. Cavani n'a pas eu réflexe. Il n'a pas été assez prompt justement lorsque le ballon lui est revenu après cette déviation sur Rabiot. On va revoir ça, Fred Goulard nous proposera ça dans quelques instants après ce corner. Toujours pour Angel Di Maria. Bien tiré. Et Ibrahimovic. Oh là là, le sauvetage. La ligne, sauvé par la défense marseillaise. Position d'enjeu signalée. Et position d'enjeu d'Angel Di Maria. Et sauvetage sur la ligne. Ou presque. Marquinhos qui gagne son duel complètement isolé, hein, libre de tout marque. Ouh, on n'avait pas vu la sur le direct. Ouh, la grosse main de Florian Thauvin. Pourtant il y avait un arbitre assistant à 2 mètres. Là on revoit l'action justement de Cavani. Ouais. Il a manqué un petit peu de réflexe, hein, sur cette frappe. Occasion d'Ibra. On va voir Cavani en position d'hors-jeu. Comme une belle main qui a été non sanctionnée. Ouais, ils s'en sortent bien. Je pensais que c'était la tête. En fait, c'est la main de Thauvin. Allez, 35e minute de jeu. Bon, on peut saluer quand même la sortie de Mandanda, hein, qui a empêché Ibrahimovic d'avoir tout le loisir d'ajuster sa frappe, même s'il avait à peu près 2 secondes, hein, entre l'amorti et sa frappe. Allez, je vous rappelle le jeu. Pour essayer de gagner ces 10 000 euros, vous répondez à la question lequel de ces deux clubs a gagné le plus de Coupe de France. L'OM, réponse 1, le PSG, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34-35, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-30-03. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer, tirage au sort et l'affichage évidemment du nom du gagnant de ces 10 000 euros à la fin du match. Encore avant la fin de cette première période. Et Di Maria avec Ibrahimovic, il est passé à la solution Cavani sur le côté gauche. Allez, je le dois qu'à plonger, qui a redemandé le ballon. Ça va revenir avec Maxwell. Ouais, il ressortait bien, ça, l'alignement défensif est bien. Faute sur Edinson Cavani. Faute de Thauvin, je crois. Signalé. Par
Clément Turpin. Fabien Anquillo. Et là, ça va donner un coup franc plus qu'intéressant pour le pied droit surpuissant de Zlatan Ibrahimovic. Qui a affolé hein, évidemment les statistiques cette saison. 48 buts inscrits. Et il a évidemment battu hein, la semaine dernière à Nantes le record de Carlos Bianchi. En inscrivant le 36e et le 37e but en championnat de la saison. Record que détenait l'Argentin Carlos Bianchi. Et le coup franc d'Ibrahimovic dans le mur. La reprise, deuxième tentative, une nouvelle fois dans le mur. Et une troisième frappe, elle est encore cadrée, elle est puissante et elle est cadrée, mais captée par Steve Mandanda. Il y a de la puissance, mais il en faut plus, hein, je pense, pour surprendre Steve Mandanda. Oui, bien joué, c'est bien fait cette remise là de Thauvin, la montée hein, de Manquillo, il y a Fletcher. C'est Stambouli, un peu comme il peut justement. Faute contre le Chilien Mauricio Isla. Prêté par la Juve qui aimerait bien rester à l'OM la saison prochaine. Et Marquinhos avec Silva. Ah, l'appel d'Ibrahimovic. La couverture d'Nkoulou, il a hésité Nkoulou, heureusement que Steve Mandanda est sorti devant son défenseur central et surtout devant Zlatan Ibrahimovic. Au départ il avait fait un appel contre appel, ce qui avait laissé sur place Rekic. Souvent pris hein, de vitesse, hein, même un petit peu de naïveté tactique à chaque fois dans ses placements. Et Barada avec Lassana Diarra. Ouais. La transversale jusqu'à Javier Manquillo. Et ballon récupéré par les Parisiens. La déviation de Di Maria dans le dos de Serge Aurier. Ouais, superbe passe pour Maxwell. Matuidi. Ibrahimovic. Et au-dessus de la défense pour Blaise Matuidi qui va essayer de remettre, il y a Cavani et c'est passé au-dessus, c'était sorti. Un des rares joueurs à faire toujours des appels en profondeur, c'est Matuidi quand il fait ses percées du milieu. Et on voit... Non, c'est la main de Thauvin, hein. De Florian Thauvin, la voici. Ah oui. Il y a le geste, il essaie de se protéger en même temps, mais... Il ne fait pas le geste de la tête, hein. C'est un peu trop rapide. Ce centre tir hein, presque d'Ibrahimovic. Pour moi, c'est clairement pénalty. Hein. Effectivement, le ballon a eu peu de chances de rentrer à la frappe d'Ibrahimovic. En tout cas, la main est flagrante. Et Aurier passe Abdelaziz Barada. Ah, la passe aveugle pour Rabiot. La frappe d'Adrien Rabiot, pas cadré. Un peu précipité sur cette frappe. Rabiot, je pense qu'il a la possibilité de fixer en un contre un. Ah, nous sommes entrés hein, dans les 5 dernières minutes de cette première période. Marseille 1, Paris 1. Et bon, tout le monde qui s'attendait à une ultra-domination des Parisiens dans cette finale, pour l'instant, n'a pas lieu. On aurait pu penser qu'après l'ouverture du score aussi rapide dans ce match que ça allait être plié. Ça me rappelle un petit peu la finale de l'année dernière où les Corses avaient... Auxerre, pardon, c'était il y a 2 ans quand les Corses avaient souffert énormément avec
était réduit à 10. Compliqué de revenir au score lorsque les Parisiens mènent. Et Marseille l'a fait assez rapidement, 10 minutes après avoir encaissé ce but de Blaise Matuidi. Et touche marseillaise réclamée par Angel Di Maria. Ça va jouer sur Batshuayi. Ah, il a récupéré ce ballon, hein, le Belge. Ah, il est passé, la frappe enchaînée. Il a essayé d'éviter le retour de Thiago Silva. Il a gagné son duel face à Marquinhos, ce qui est déjà un exploit en soi, parce qu'il est quand même très dur dans le duel, Marquinhos. Et derrière, avec sa puissance, il vient fixer Thiago Silva. Mais se précipite, parce qu'en fait, Thiago Silva ne se jette pas. Il met son corps en opposition. À un moment, il lui donne l'information qu'il va jeter ou lui laisser la possibilité de faire un dribble. Il aurait dû continuer dans son appel et peut-être jouer avec un relais ou peut-être s'ouvrir davantage l'angle. Mais là, il y a une précipitation à la sortie de ce dribble. Allez, on tente Cavani, Maxwell. Et le ballon pour les Marseillais dans ces dernières minutes avant de rejoindre le vestiaire. Dorier sur Barada. Formé au PSG, Abdelaziz Barada. Venu avec Michel. Il a eu un Getafe. Et voilà, Barada pour frapper, chercher Fletcher, et c'est Adrien Rabiot qui s'est imposé. Mauricio Isla. Attention au contre. C'est compliqué. Il va falloir revenir. L'accélération de Rabiot devant Diarra par faute. Et c'est la faute parisienne, et quelle défense super de la bien, Sana Diarra. Parce que là, pêche, là s'il passait Rabiot. Là où c'est intelligent, c'est que quand Rabiot part avec Matuidi justement pour dans cette course, cette chevauchée. Il est quand même loin, Diarra, et à aucun moment il veut faire l'interception, et il anticipe justement la deuxième touche de balle qui propulse le ballon, et il accompagne la course et vient se coller son corps pour empêcher justement Rabiot de faire la différence. C'est très intelligent de la part de Diarra. Et il obtient en plus la faute juste derrière, permettre aux Marseillais de se relancer dans la dernière minute du temps réglementaire en première période. Arrête au vent, mais ça va être compliqué, hein. Ça va pas aller au milieu, ballon récupéré par Stamboli. Avec Cavani. Il n'y aura pas de temps additionnel, messieurs. Allez, avec kick, avec Diarra. Sur un Fletcher. Isla, qui demande à Manquillo de prendre son couloir. Et Diarra avec Fletcher. Chercher Manquillo et ballon récupéré par les Parisiens. Edinson Cavani. Oh, le double contact superbe de la part de l'Uruguayen. Allez, dernière montée de ballon en faveur des Parisiens. Voilà Clément Turpin qui siffle la fin de cette première mi-temps. Un but partout entre Marseille et Paris, ouverture du score de Blaise Matuidi à la deuxième minute. Égalisation de Florian Thauvin, 10 minutes plus tard, qui permet à Marseille de rester dans le coup. Oui, on a un match équilibré, hein. C'était très mal embarqué pour les Marseillais. Ils sont très bien revenus, pour pas laisser justement les Parisiens s'installer dans cette première période. Beaucoup de problèmes dans l'entrejeu, les Parisiens, pour pratiquer et dérouler leur jeu, ce qui les empêche d'avoir cette transition avec les joueurs d'attaque. C'est pour ça qu'on voit quasiment peu les trois attaquants, que ce soit Cavani, Ibrahimovic ou Di Maria. Ah, on va retrouver Rodolphe, oui. Godin avec Florian Thauvin, le buteur. Avec le buteur Florian, on a l'impression que vous avez trouvé... Alors...